Située à deux pas de la cathédrale Notre-Dame de Paris, au cœur du quartier latin, l'église Saint-Séverin est exceptionnelle. Son architecture, bâtie entre le XIIIe et le XVe siècle, est un joyau du gothique flamboyant. Elle vous plonge en un regard dans une atmosphère médiévale, authentique et envoûtante. Dans l'ombre du déambulatoire, sa chapelle Saint-Jean souffre. Aucune restauration fondamentale n'a jamais été entreprise. Les pertes de matière sont nombreuses, irréversibles. La voûte étoilée, les peintures illisibles. Et c'est pourtant une œuvre d'art totale, unique. Datée du XVe siècle, la chapelle est peinte en 1840 par Hippolyte Flandrin, le meilleur élève d'Ingres. Inspiré de la Renaissance italienne, et en particulier de Raphaël, Flandrin exécute ici sa première œuvre monumentale à l'huile et à la cire. La scène est un chef-d'œuvre remarqué dès sa création pour la pureté de ses lignes, l'harmonie de ses couleurs et la lumière qui s'en dégage. Un généreux mécène nous a offert la chance de démarrer le chantier, mais seule votre générosité permettra de sauvegarder la scène et d'achever ce chantier qui promet d'être spectaculaire.